Nous sommes ici dans le village de Djigbéagué, dans l'arrondissement de Djigbé, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de la commune de Zé. Élèves et écoliers de ce village ont bénéficié d'un mois de cours de renforcement entièrement financé par Nestor Noutaï, député de la 6e circonscription électorale et natif de la localité. Les plus méritants reçoivent ici des kits scolaires. Pour soutenir le président de la République dans son programme, nous avons trouvé un intérêt à l'appuyer, surtout pour le moment, dans l'éducation. Parce que nous nous sommes rendus compte que sans l'éducation, l'homme n'est rien. Un investissement sur l'éducation d'un enfant est l'investissement que j'ai trouvé le plus rentable. Quand vous regardez l'effectif que nous avons dans les salles de classe aujourd'hui, par rapport aux moyens dont nous disposons pour entretenir le corps enseignant, il est de bon ton qu'on appuie à la fois les enseignants et nos enfants. Comme ici, élèves et écoliers du village de Kekamé et de Tangoudjevier bénéficient du même geste de solidarité pour soutenir leurs parents en cette veille de rentrée scolaire. Une première au dire des bénéficiaires. Ces kits scolaires que vous mettez à notre disposition nous permettront de mieux étudier et nous vous promettons déjà d'en faire un bon usage. Au total, 1247 élèves ont reçu des kits scolaires. Nestor Noutaï, pour sa première sortie comme élu de la nation, est soutenu dans ses œuvres par sa famille politique. C'est une initiative très heureuse. Nous essayons de leur donner un peu d'encouragement pendant leur repos pour qu'ils ne consacrent pas entièrement toutes les vacances à s'amuser. Ça fait partie d'un programme que nous mettons en œuvre dans la commune de Zé en particulier et d'une manière générale à l'Union progressive sur le plan national. Nous avons un sentiment de joie, de fierté. Et nous profitons de l'occasion également pour exhorter les enfants à redoubler d'ardeur, à travailler, à honorer la commune de Zé. Parce que l'objectif pour nous, c'est de célébrer les meilleurs, c'est d'inciter les enfants de Zé à emboîter le pas à leurs aînés qui ont pu quand même réussir dans la vie professionnelle. Cette première descente sur le terrain inaugure une longue série de rencontres quant à organiser Nestor Noutaï pour un contact permanent avec sa base politique.